Enfin commencer une run. C'est parti. Alors du coup, vu que ça va être BB Attempt, ce sera reset selon le drop avant la Hive Room. Parce que je veux pas attendre le drop du vert. Et forcément, si j'ai pas assez de missiles derrière, je vais perdre trop de temps aussi, donc j'ai pas envie d'attendre. Donc ce sera reset. Allez. Merci. Alors. Moi, je suis pas bien au milieu de la main, tant pis. On continue de bourrer. Pas perdre de temps pendant les cinématiques. Alors, le wall jump, est-ce que je vais réussir à le faire? Ok. Hop, là je casse le petit truc parce qu'on va revenir. Ça fera un bloc en moins à péter. Une toute petite optimisation de rien du tout, mais ça me fait marrer de le faire à chaque fois. C'est rigolo. Tu sais que ton fail face à Bro m'a fait perdre un pari. Putain. Ah, le double hit, il est passé. Alors là, j'attends pas. Hop. Pour me dédommager, tu dois faire un temps IG meilleur que le sien. Oui, on va essayer. C'est vrai que j'aimerais bien, mais ça me paraît compliqué quand même. Si je drop pas au prochain. Bon, on peut tenter avec 3 missiles. Attends, IG meilleur que celui de Brother Main, ça va être très très chaud quand même. Merde, j'ai utilisé tous mes missiles comme un con. Putain, mais quel mongolo! Oh là là. Ah, du coup, ouais, là je vais perdre énormément de temps. Ok. Ah, salut Twin et salut Skyzen. Alors, droite? Ah, il va à droite, très bien. Merci le jeu. Cassez-vous. Ah bon, j'ai de l'avance. Salut Black Cyril. Ah, ça s'est super bien, ça s'est passé assez rapidement ici, c'est cool. Donc là, ici, on n'oublie pas le wall jump, enfin le double wall jump, ici et ici. J'arrive souvent à l'oublier celui-là. Vu que c'est en début de porte. De zone plutôt. Hop, tac, tac, hop, zéro dégâts, qu'est-ce qu'il y a? Bon, pour le moment ça se passe bien.
pressé que le début. Alors, charge BM ici. Tac, et ici on vise en bas et on spam le tir. Ça évite de faire des sauts, donc petit gain de temps, mais vraiment très minime. Voilà, j'arrive ici, 5-19. Essaye d'apprendre Ninja Gaiden. Ah, tu vas voir, il est cool le jeu. J'ai pas encore appris le speedrun, mais rien que le jeu déjà, il est vraiment génial. Par contre, il est dur, je te préviens. Alors, le charge-bim là. Alors, lui, on passe par-dessus. Alors, le double wall jump. Ici, ici. Alors celui-là je me le rate de temps en temps. Ah putain. Voilà, bon. Deuxième coup, ça va. Yes. First try. Bah, j'arrive à péter ce des Diego, mais pas celui qui est au milieu. Oh putain, le gold. Bon, j'avoue, j'ai un peu tracé là. Ça va, je me jette des fleurs. J'espère que ça vous gêne pas. le wall jump. J'ai peur d'y aller trop tôt, j'ai fait un wall jump en plus, hein, pour être sûr. Ouais, c'est bon. En plus, il est parti du bon côté pour une fois. Ok, bon pour le moment on est bien. Est-ce que je vais réussir à me mettre en morph ball rapidement? Ouais, bien, putain je suis en forme là. Enfin bon, je m'emballe pas trop parce que... on est loin d'avoir fini. Il fallait pas sauter ici. Est-ce que ça va passer? Voilà, je perds un peu de temps. C'est pas grave. Lui on le tue sans sauter. Hop. Ouais, avec le bomb jump tu vas plus vite, mais je sais pas le faire, j'ai pas encore le timing, enfin j'ai pas trop essayé non plus, mais il y a un timing assez spécial que je ne sais pas faire. Alors moi je saute sur le mob, j'ai l'impression que ça fait pas perdre de temps par rapport à essayer de le tuer. Alors ici c'est important. Wall jump, saute. Ok, ça passe. Non ! Ah, le mongolo ! Bon, c'est pas grave, ça s'est vite rattrapé, heureusement que c'était la fin. Putain, j'ai 20 secondes d'avance ici, quoi, sérieusement. Ça veut rien dire. Ah, toi tu vas me faire chier. Ah putain, vite. Ok. Eh merde. J'ai réussi deux fois de suite et du premier coup alors que je suis en casu. Ah bah GG. Et merci Skylzen pour le host.
Ok. Bon, pour le moment, ça se passe bien. La chenille. Maintenant. Alors, 26 missiles. Missiles, ouais, on est bien, il faut 18 missiles minimum. Bon, j'ai 5 missiles encore, ça va. C'est pour la forme. Quoi, tu n'as pas un millier de viewers? Ah, oh, je suis triste et déçu. à droite, oui. Ah, je me suis encore fait avoir. Bon, ça va, ça se prend. Hop. On pète le bloc ici parce qu'on va revenir et que c'est plus rapide de le piter, de le péter maintenant. Hop, on va dire que c'était un damage boost. Non, ça par contre c'est moche. Ça c'est très moche. Vite. Attention, il en reste encore un normalement. Non, c'est bon. 22 points de vie, oula. Doucement, hein. 5, 1, 5, ça devrait le faire normalement. Lui, il va tomber. Voilà. soixante-deux points de vie, donc je peux prendre le damage boost. C'est 30 dégâts le monstre. Ça va le faire. J'y crois. J'ai peur de rien. Ok. C'est bon. On va essayer de pas mourir contre les boules non plus. J'ai pas trop envie d'avoir les boules. Plus jamais ça. On va les geler, hein, on sera tranquille. Alors, attention à celui qui est en face. Ok. Je repasse en super missile. Je prépare le charge-beam. Voilà. Hop. Ok, c'est bon, on est tranquille. Je me suis fait un peu peur avec la porte, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est bon, sauvé. Fini les bip bip. Alors... Ridley. Ça, je tirais tellement dans le vide pour rien. J'ai perdu un peu de temps, mais je suis encore bien en avance, donc c'est pas grave. J'ai perdu une seconde 7. Ah, il me manque une super. Fait chier. Putain, il me manque toujours une super ici, c'est hallucinant. C'est rare que j'en ai 4. Ah, c'est pas cool ça. Hop. Alors, le wall jump à gauche. Hop, hop, hop. Tac.
vite. Donc lui arrive. Wall jump ici, wall jump, wall jump, deux wall jump, 1, 2. Et on est passé. Tac, on attend un peu, on y va. Tac, wall jump, wall jump, wall jump. Ridley, donc à droite. Bon, j'ai assez de missiles, c'est juste qu'il me manque un super. Ok. Non, t'as pas fait ça quand même. Non mais, respecte-moi un peu. Bon. Putain, je suis en avance alors que j'ai raté un... Je me suis merdé sur un wall jump quoi, j'ai perdu au moins 4-5 secondes. Super. Ah, pas de super, c'est nul. Il me faut une super. Ça devient urgent. Alors, on va tuer la bestiole au sol. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Oh, il m'a quand même touché, t'es sérieux? Ça passe. Allez, Hugh Greyfox. Monsieur le PGM. Quand même pas. Arrête de pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Hop, on continue de charger le beam. Foire pas sur la WS, ouais, on va espérer. J'ai fait un petit training avant de lancer la run. J'ai testé, j'ai fait 18 AWS sans me rater d'affilée. Donc là, s'il passe pas, je rage. Ah, mets-toi en mort-bol, s'il te plaît. Pourquoi je me suis relevé? Allez, je me concentre. Ouais, allez, go, go, go! Ça fait plaisir hein, quand ça passe. Par contre, j'ai pas de super, je suis obligé de recharger. Qu'est-ce que je fais? Non, demi-tour. C'est pas maintenant qu'il faut... Je me suis cru au charge-beam. Au charge-beam, au... à l'ice-beam. Le swag. Allez, mettons un morbol. Comme une grande. Tu peux le faire, j'ai confiance en toi. En ton pouvoir de l'amitié. Donc là, un coup de charge beam, pas besoin d'utiliser un missile. Bam! Tac, je passe en super et c'est parti.
Ok, qu'est-ce qu'il y a, easy peasy. J'ai gagné une seconde. Ah, c'est beau un monde qui joue. Le pouvoir de l'amitié. Crois en l'âme des cartes, mon ami. Ça m'a resté à la tête ce truc, alors j'ai jamais regardé Yu-Gi-Oh de ma vie. C'est beau les parodies. Ah oui, oui j'aurais gagné plus si je m'étais pas rechargé, ça c'est sûr. Mais comme j'avais pas assez de super, bah pas le choix, faut recharger. Ouais, je suis pas tombé. Putain, j'ai toujours peur de tomber ici. Ah, salut Julian. Julian qui est, rappelons-le, le gagnant de la race d'hier soir sur Metroid. Bravo à toi, Julian. J'ai toujours cru que... J'ai toujours eu confiance en toi. Bon, le Chain Spark, qu'est-ce qui va passer? J'ai un doute. Non, putain, mais il était bon là, sérieux. Jeu de merde. Ah, PB en plus, 1h19, GG Julien. Dans les temps, ça te fait des points. Ah, c'était une bonne soirée, alors on a bien fait de faire la race. Ah, je suis dégoûté, quoi. Il était bon. Pourquoi elle a pas fait? Sérieux. Ah, je suis deg. J'ai fait une CDV? Comment ça? Hier soir c'était la fête des PB. Ouais, Gonzo il a fait 2 PB, c'était cool aussi. Ah merde, la mort sur les Space Pirates. C'est un peu crado quand même. Bon, bah du coup là va falloir jouer bien. Parce que c'est ici où tout va se jouer quasiment. C'est là où on gagne du temps et là où on perd du temps. C'est le moment RNG du jeu. Allez, super missile. Allez, go. Super missile. Putain, deux super quoi, sur un seul, c'est génial. Hop. À la limite, je vais les garder. Maintenant. Alors il faisait droite gauche, droite gauche, droite gauche. Oh putain, j'ai peur. Je vais garder les super. Je vais utiliser les super. Oh putain, j'ai un bon drop là. Ah, j'ai 50 missiles en sortant quoi. Ah, c'est génial.
Maintenant, faut prier sur le drop du super. Trois portes. 23 missiles, j'en ai peut-être utilisé beaucoup. En 21, je devrais être à 20... 29. Allez, le super. Yes! C'est parti, go! Pourquoi tu tires doucement, s'il te plaît? Je comprends pas, des fois, elle tire vraiment très doucement. Mais arrête de tirer... Ok, je me suis un peu positionné parce que j'étais pas sûr. Oh non. Fais pas le coup de la panique maintenant. Me fais pas le coup de la panique maintenant, je t'ai dit. Oh là 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 là, j'ai perdu 5 secondes ici. Moi je finis à 48, là j'étais à 42, ouais j'ai perdu 5-6 secondes. Pff, putain, je suis en train de paniquer. Calme-toi, respire un bon coup. Allez, là c'est bon. Ne foire pas le saut, mon grand. Hein. Ma grande, excuse-moi, ça mousse. Oh le gold! Oh putain! Allez, là, ah, j'aurais pu faire 40 secondes d'avance. Oh là 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 là. Faut pas que je me foire la suite. J'ai envie de tenter la strat de bro pour le premier Space Pirate, mais j'ai peur de me foirer. J'ai 33 secondes d'avance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tente? Je le tente? Je le tente pas? Je le tente? Je le tente pas? Ouais, allez, je le tente. Ouais, ouais, j'avais déjà un très bon Tourian sur mon PB. Et là, si je fais un PB, ça va être très dur de faire un meilleur Tourian. Avec 4 missiles, ouais, avec 4 extras en plus. Sachant que du coup, bah, vu que j'ai raté, j'ai perdu le temps d'aller dans la salle de sauvegarde, de faire le post-buffer et de remonter. Enfin, de remonter, je suis pas descendu, mais... J'ai perdu 5-10 secondes, quoi. La salle unique somatose. Allez, le map skip. Il me semble que le map skip est pas passé sur mon PV. Ouais, c'est bon, allez go. Bon, du coup, est-ce que je tente? Allez, je tente. Raté. Normalement, si on arrive à se mettre dans le petit trou là et qu'on tue le Space Pirate au moment où il va sauter, on arrive ici, l'alarme s'arrête avant qu'on arrive au bout. Et on gagne tellement de temps. On gagne facile 5 secondes aussi, une connerie du genre. Le temps que l'alarme s'arrête. J'ai vu Bro le faire plusieurs fois et j'ai du mal à le reproduire. Bon, c'est pas grave. Ok, oh putain, c'est juste. Allez, on se concentre un peu là, je suis en train de faire n'importe quoi. Les wall jump, bordel, les wall jump.
Apprends à faire des wall jumps. Tu viens de prendre le super, tu perds quelques secondes si tu veux farmer tes 6 super après. Oui, de toute façon, ça reste lié au drop des missiles aussi. Hein. Là, j'ai eu énormément de chance sur Tourian. Hein. Ah, c'est passé nickel. Même pas eu besoin de s'accrocher. Alors. Hop, ok. Tac, tir, saut, tir. Ah putain, j'ai sauté trop tôt. Ok. Allez, te fais pas troller, s'il te plaît, pas maintenant. Pas par le saut de merde. Ok, bon, c'est passé, je m'en fous de l'alarme. Ça sert à rien, de toute façon, l'alarme ici. Ouf. Tac. Alors ici, ne pas s'arrêter de courir, sinon alarme. Voilà. C'est bon, nickel. Alors, les wall jumps, c'est parti. On reset la salle. Ok, c'est bon. Un deuxième coup, c'était à peu près pareil sur mon PB, il me semble. Là, je casse le petit bloc. Normalement, je fais un wall jump, je me suis raté. Là, j'ai failli tomber. Alors, est-ce que je vais réussir à skipper l'alarme? Putain, mais je comprends pas celui-là, comment l'éviter. Je panique, hein, doucement. Ce deuxième skip par le mur, il est chaud quand même. Le wall jump aussi, il est dur. Ouais, ouais, le wall jump, c'est l'endroit où je panique le plus en plus à chaque fois, à cause des yeux et... Mais je sais pas pourquoi, cet endroit-là, je galère tout le temps. Alors que c'est juste des wall jumps et que j'en fais un peu partout, quoi. On est bien, on est tranquille. Non, moi, je suis pas bien encore, là. Tant que j'ai pas passé cette salle, je suis pas bien. Enfin, cette salle, ce passage. Waouh. Bon, ça va, il m'a pas touché. Voilà, toujours regarder la jauge avant de tirer. Souvent, je lui ai tiré dessus juste avant que la jauge soit pleine et je me suis fait avoir. Alors, je vous préviens, le dernier mur, je fais pas wall jump. Là, j'ai trop la pression. Panique à bord. Alors, ralentissez-vous. Pas de wall jump. Il faut pas que je me foire le saut ici. Sur mon PB, je l'ai raté ce saut. Donc je sais que là, normalement, j'ai du temps gagné. On sauvegarde pas, on s'en fout. On n'est pas en tournoi. Désolé. Oui, oui, la phase Sweet Last, elle est cool. Par contre, moi, je la trouve quand même un peu plus dure qu'avant, que la première partie. Comment on rate ce saut? On rate en tirant et en sautant un peu trop tard. Du coup, tu tires, les blocs sous tes pieds se cassent la gueule, ton saut n'est pas pris en compte, et tu tombes. Bordel à cul. Comment on meurt sur les Metroid? Regarde le tournoi de la dernière fois, tu verras comment on meurt. Allez, allez, c'est parti. Alors. Quel mongol.
Ken Mongol. Allez! Alors Bro m'a expliqué que si tu tirais sur ton image, tu pouvais faire accélérer l'apparition de l'hologramme 1 ou 2 secondes plus rapidement. Environ, en moyenne. Sachant que ça reste toujours aléatoire. Oui! Excusez-moi pour le cri. Putain, j'ai perdu 13 secondes et je sais même pas où. L'hologramme. Je sais même pas où est-ce que j'ai perdu 13 secondes. Je sais qu'il y a le premier où j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais après, le reste... 13 secondes quand même, c'est énorme. Merci, merci. Mais c'est pas fini, il reste encore Mecha Ridley. Ouais, j'ai fait pas mal de conneries. Ah putain, ça y est, je continue. Alors, du coup, ici, il faut que je reprenne le 6e super missile. Oh, et genre, il esquive les missiles, mais arrive à me toucher quand même. On va faire gaffe quand même, parce que j'ai déjà plus beaucoup de vie, alors que ici je suis censé être quasiment full vie. Ouais, j'ai plus qu'à revoir mon PB pour savoir pourquoi j'ai perdu autant de temps, mais ouais, j'ai fait pas mal d'erreurs au début. Comme l'a dit Twin. Alors, charge beam, tac, on relâche. Et on se retourne pour tuer le dernier. Ça me ferait chier de devoir récupérer de la vie à un point de sauvegarde. Alors que je suis en avance là. Je peux pas me permettre d'aller à un point de sauvegarde. C'est quoi ça? Oui, c'est ici, d'accord, donc là, faire gaffe. Olé, c'est pas passé loin. Donc là, je suis bien niveau vie, à peu près. Me touche pas, toi. Alors ici... Voilà, là faut sauter par-dessus le noir. On te gèle, on tutoie. Missile. Je trouve que le TAS joue mieux que toi. Bah merci, hein. Ça fait plaisir. là, ok, donc là il y en a en bas à gauche. Voilà, tac, 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 lui. Le petit robot avancé. Tac. Là, on casse les murs en bas. Attention à ceux qui sont en dessous. Tac. Alors, pour cette salle, il y a une petite astuce. C'est sortir de la salle avec le charge beam. Si vous sortez avec le charge beam, vous relâchez pendant la transition. Ça tue le Space Pirate ici. Et du coup, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas d'alarme et vous n'avez pas d'ennemis à tuer derrière vous. Ça fait gagner 1 seconde environ, mais c'est toujours ça de prix. Alors, cette salle de l'angoisse. Ok. Ouh, merde, j'ai été touché quand même. Putain. Ah, ça pue. Ah, ça pue. Ah, ça pue. 159 points de vie, non, ça va. Tac. Me fais pas chier. On va pas prendre de risques, hein.
On se met directement en morph-ball ici. Ah putain. Fous-moi la paix. C'était un peu laborieux quand même. Je pense que j'ai perdu du temps. Ah, j'ai raté un missile en plus. Ah, là, je pense que j'ai perdu du temps. Allez, le setup manette. Surtout, t'as pas intérêt à faire comme hier soir. Hier soir, il a fait son coup de griffe et les missiles en même temps. Qu'est-ce que je peux faire contre ça, quoi ? Coup de griffe plus missile, c'est imbloquable. Ok, hey, setup manette, qu'est-ce qu'il y a ? Tac, la Y. Et j'ai perdu 3 secondes environ, ouais. Bah allez. Le sub de 43-30 là. Voilà, par contre, je me concentre. Excusez-moi si je vous lis pas. J'aurais dû faire plus proche du sol. Oui, allez. Sur mon PB, je l'ai fait du deuxième coup, le Chance Park. Allez, montez vite. Allez, 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 venez vite, vite. Yes! Oui! Ah oui, oui, oui! Bibi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain! Donc j'ai gagné 12 secondes là. Merci, 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 merci. Donc de 33 à 19, il y a 14 secondes. 14 plus 12, ça fait 26. Je pourrais gagner 26... Non, je dis de la merde. Je peux gagner encore 14 secondes entre Mother Brain et Phantom. Donc j'ai un très mauvais Mothership, avec les runes qui vont avec. J'ai perdu 3 petites secondes sur mes carrés de lait. Ah, le sub 43 est faisable. Ah putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. J'ai perdu 2 toutes petites secondes entre Chenille et Ridley. Pogchamp. Mo. Ah, c'est cool, je suis content. C'est cool, c'est cool. Du coup, j'espère que ça fait un petit point au moins quand même. 42, 40, faisable. Ouais, faisable, mais encore plus dur, mais vraiment très dur, là. Là, tu vois, mon sum of best, ouais, techniquement, je peux faire 41, 40.
Ridley, bro, il fait Ridley sub 14. J'ai fait combien? J'ai fait 14-15. Ah ouais, ça se joue quand même à 15 secondes. Hein. Si je joue, si je fais comme bro, le sub 42 est faisable. Ah oui, c'est vrai que je... Si tu prends pas les super missiles avant Metroid... Bah techniquement, si je prends les... Si je prends les super que je fais le même Taurian, je gagne du temps. Parce que j'ai plus de super missiles pour pouvoir détruire le bocal à Brother Main et ça me fait gagner du temps. Juste le fait que du coup j'ai plus besoin de péter 3 portes sur le chemin, donc 2. Ce qui implique aussi du coup qu'il y a beaucoup moins de drops à faire sur les donuts. Donc si, prendre les super ça fait quand même gagner du temps par rapport à 4 super. Mais si tu fais sub 30 IGT, tu auras quand même dégoûté, bro. Ah bon, pourquoi ça? Le bocal. J'ai dit le bocal à Brother Main. Ah merde, désolé. À Mother Brain. Alors, du coup. Et j'ai eu 2 Glood. GG. Le mec, il se dit GG tout seul. Ah. Bon. Verdict, sub 30 ou pas sub 30? Il a mis 500 heures pour le faire en plusieurs mois. Ah oui, je comprendrai alors. Attention. 30-34, ah bah c'est pas un sub 30. Ah, c'est triste. Mais c'est pas grave, je suis quand même content. Ok, bon bah c'était cool. GG, bravo le vous.